sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 10 mars, dimanche dit de l'étaré. Voilà, nous sommes au milieu du carême. Trois séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Hélène de Lauzin, porte-parole de la revue trimestrielle Cardinalis, qui s'adresse, comme le nom l'indique, aux cardinaux de la Sainte Église. Ensuite, Monsieur l'abbé Claude Barthes viendra nous présenter son dernier livre, « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Et ensuite, Anne-Françoise de Saint-Albin, directrice de la communication de la Fondation pour l'école, nous présentera le salon sur la liberté scolaire, l'IBSCO, qui aura lieu le 6 avril prochain, porte de Charenton. Bonjour Hélène de Lauzin. Bonjour Jean-Pierre. Donc vient de paraître le numéro 5 de la revue Cardinalis, dont vous êtes la porte-parole. Alors quel est l'objectif de cette publication au titre un peu inhabituel ? Alors, une revue quasi confidentielle, on pourrait dire, Cardinalis, car elle s'adresse aux cardinaux. La particularité de cette revue, c'est qu'elle n'a pas vocation, au moins sous son format papier, à avoir un lectorat infini. Elle est principalement éditée et conçue pour être lue par les cardinaux, par le Sacré Collège. Donc, l'immense avantage de nous permettre de maîtriser notre base de données, puisqu'elle nous est fournie finalement par le Vatican. Ce sont les cardinaux qui composent ce Sacré Collège, qui reçoivent dans leur boîte aux lettres l'exemplaire papier de cette revue. Et pourquoi un format papier? Eh bien, pour qu'ils aient un objet en dur qui leur permette de mieux se connaître. Ils sont très nombreux, ces cardinaux. Alors, les effectifs peuvent être fluctuants au gré des décès, puisqu'il y en a beaucoup qui sont âgés, ou des dernières nominations. Donc, si mes chiffres sont exacts, les derniers effectifs, on est à 228. Ils ne se connaissent pas tous, évidemment. Ils ne se connaissent pas tous. Parfois, ils ne se sont jamais croisés. Et vous savez, c'est un peu comme les enterrements. La grande tante, on ne la rencontre que le jour des funérailles du cousin. Bon, eh bien, les cardinaux, c'est un peu pareil. En dehors, effectivement, de quelques très rares événements, ils ont peu l'occasion de se rencontrer et de se connaître. Donc, cette revue, elle est là, justement, pour créer du lien, pour tisser du lien, pour permettre aux cardinaux de se connaître les uns les autres, au-delà des rencontres physiques, savoir qui pense quoi, savoir qui s'est prononcé sur quoi, dans quelle tendance, et se faire une idée un petit peu plus précise de la géographie du conclave, en dehors des conclaves. Alors, qui sont les rédacteurs ? Alors, nous avons une équipe internationale de spécialistes, on dirait de vaticanistes. Alors, il y a des Italiens, il y a des Français, des Espagnols, des Anglo-Saxons, voilà, et qui mettent leur connaissance du Saint-Siège, des rouages institutionnels de la papauté au service de la revue. Mais pas uniquement. On a aussi dans les contributeurs les cardinaux eux-mêmes. Et c'est important, justement, pour nous à Cardinalis, c'est que cet organe joue pleinement son rôle d'organe de liaison en donnant la parole aux cardinaux qui peuvent nous soumettre, et c'est le cas dans ce numéro-ci, leur propre contenu que nous nous chargeons de publier, de faire passer à la communauté des cardinaux. Donc vous nous avez dit qu'il y a deux modes de diffusion, un mode de diffusion papier pour les cardinaux, et puis un mode de diffusion par Internet qui, je suppose, s'adresse à tous ceux qui veulent, en particulier aux laïcs. Exactement, exactement. L'organe papier, lui, est assez, aussi pour des questions de coût, hein, tout simplement, est vraiment ciblé sur les cardinaux. Par contre, tout un chacun peut accéder au contenu en ligne, au format PDF, puisqu'à chaque sortie de numéro, le numéro PDF est mis en ligne. Par contre, il faut s'abonner, mais ça va être un abonnement numérique. Et évidemment, l'abonnement des particuliers, l'abonnement des laïcs, ou même l'abonnement si votre curé est intéressé, il peut s'abonner à Cardinalis, mais ça va se faire en ligne. Et bien évidemment, ce sont des fonds qui servent aussi à fabriquer la revue, à l'éditer, à l'imprimer et à l'envoyer. Alors, quel est l'intérêt pour des laïcs de lire cette publication ? Bien, je pense que à l'heure de la synodalité, on va dire que tout le monde se sent forcément un petit peu intéressé par ce qui se passe à Rome.
ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir et finalement de connaître à quelle sauce nous pourrions être mangés lors du prochain conclave. Au-delà de cela, il y a évidemment dans cette revue des questionnements qui concernent l'Église universelle. Évidemment, les derniers mois ont été extrêmement centrés sur la question du document Fiducia Supplicans, sur la question de la bénédiction des personnes homosexuelles en couple, chaque mot compte. Et donc, vous êtes un laïc, vous pouvez être intéressé justement à connaître quel est le point de vue de tel ou tel cardinal, quel est le point de vue de telle ou telle congrégation sur ce document, les pour, les contre, les arguments, et ce sont des choses qui auront le mérite d'être rassemblées dans une publication spécialisée. Alors très concrètement, j'ai sous les yeux le numéro 5, pouvez-vous nous dire de quoi il traite ? Alors, comme dans chaque numéro de Cardinalis, vous avez des figures, des zooms en quelque sorte, des portraits sur des figures de cardinaux, pour permettre justement aux cardinaux qui ne se connaissent pas de faire connaissance, et aussi pour les laïcs qui lisent la revue, de découvrir des figures cardinalistes qu'ils n'auraient peut-être pas identifiées. Donc nous avons des portraits, donc nous avons deux portraits dans ce numéro, le cardinal Parolin, ça dépend comment on prononce, le secrétaire d'État, d'une part, et le cardinal Piacenza, d'autre part, qui est à la tête d'un service peu connu, la pénitentiairerie du Vatican. Donc voilà les deux portraits. Alors on fait quoi, la pénitentiairerie du Vatican ? Alors c'est pas lui qui a les clés, les portes du pénitencier, sans faire de jeu de mots. C'est lui qui va traiter, qui va gérer notamment toutes les questions liées à la confession. C'est lui qui a été au cœur de toutes les discussions qu'il y a eu il y a quelques mois sur faut-il divulguer le secret de la confession, notamment dans le cadre des enquêtes sur les abus, etc. Donc voilà. C'est un petit peu son terrain de chasse, si je puis dire. Donc, des portraits, avec ce mois-ci, ces deux portraits-là, des lettres ouvertes ou des prises de parole de cardinaux qui nous envoient leur contenu et que nous publions. Donc, il y a plusieurs contenus dans ce numéro-là. On a une lettre d'un cardinal qui a souhaité garder l'anonymat et qui nous a fait parvenir son courrier, mais qui est signé sous un pseudonyme pour nous livrer sa réflexion sur l'état de l'Église. Dans un autre genre, nous avons eu la demande des 5 cardinaux qui ont été les signataires des doubias qui sont parus au mois de juillet 2023 et qui nous ont dit, est-ce que dans Cardinalis, vous pouvez rendre public le contenu de ces doubias qui n'est peut-être pas forcément… Alors, rappelez ce que sont des doubias pour nos téléspectateurs. Alors les doubias, dubium du latin, dubium, dubia au pluriel, ce sont des questions qui demandent des éclaircissements de la part du Saint-Père. Donc ce sont des questions qui portent généralement sur des aspects doctrinaux et sur des textes qui sont parus et qui demandent, est-ce que vous pouvez préciser tel point ? Est-ce que nous avons compris cela ? Est-ce que vous nous certifiez que ce que nous avons compris est juste ou erroné ? Donc c'est Doubia, elles ont été adressées en amont du synode, enfin du dernier épisode du synode sur la synodalité. Elles ont été adressées en juillet 2023. Le pape a répondu à ces doubias dans la foulée, très rapidement. Mais les réponses qui ont été apportées n'ont pas satisfait pleinement les cardinaux qui ont adressé ces doubias, qui ont adressé une nouvelle série de doubias. Alors cette nouvelle série, elle, n'a pas reçu de réponse. Et il y a eu un petit… le Vatican, c'est sur le temps long, il y a eu un petit délai. La communication de ces échanges n'est intervenue qu'au mois d'octobre. Donc les doubias d'origine, les réponses apportées par le Vatican. Et donc ces cardinaux à l'origine de ce questionnement nous ont dit, est-ce que vous accepteriez de publier les doubias ? C'est ce que nous avons fait, mais nous les avons assortis des réponses qui ont été apportées, on essaie de synthétiser tout cela évidemment, les réponses apportées par le pape et par le préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Et nous avons évidemment remis cela en perspective en rappelant le calendrier de ces échanges pour que les lecteurs, cardinaux ou non, aient toutes les clés en main sur ce débat. Alors, quel est le thème abordé dans ces doubias ? Ce sont des questions qui ont été posées au pape en amont du dernier acte à ce jour du synode sur la synodalité. Donc elles abordent des questions aussi variées que le principe de synodalité lui-même, est-ce l'alpha et l'oméga du fonctionnement de l'Église, mais aussi des questions sur la doctrine morale de l'Église. Est-ce que la doctrine morale de l'Église a changé ? Est-ce que l'adaptation au temps, à l'actualité, est devenue la règle au détriment d'une tradition consacrée ?
constante. Voilà, ce sont tous ces sujets un petit peu épineux qui ont été abordés par ces doubias. Alors, concrètement, comment s'abonner pour nos téléspectateurs ? Une adresse ? Une adresse, un site internet, www.cardinalis, attention, c'est du latin, donc bonne orthographe, C-A-R-D-I-N-A-L-I-S, -magazine.com. Donc sur le site, vous trouverez des extraits des précédents numéros et vous avez la possibilité de vous abonner pour pouvoir accéder au PDF complet du numéro. Merci beaucoup, vous ne nous avez pas donné la périodicité. Alors c'est officiellement un trimestriel. Maintenant, je parlais tout à l'heure du temps long des affaires de l'Église. Le trimestre peut être plus ou moins court ou long en fonction des sollicitations qu'on a, en fonction des contenus qui nous sont envoyés. Donc voilà, c'est une, je dirais, une périodicité indicative pour très ce bien. Numéro. Je vous remercie. Merci beaucoup Merci pour votre invitation. Beaucoup. Bonne journée Merci. À vous. Bonjour Monsieur l'Abbé. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Via Romana un ouvrage intitulé « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» qui est en fait un survol un petit peu historique du siècle qui vient de se dérouler. Et puis vous insistez en particulier sur une distinction que vous faites entre les catholiques dits intransigeants, intégraux et les catholiques libéraux. Alors, selon vous, quel est le point de fracture entre ces deux familles et de quand date-t-elle ? En fait, tout cela date du choc de l'Église avec la Révolution, de la Révolution avec l'Église, qui a été évidemment un gros morceau à avaler, si je puis dire, pour l'Église, et qu'elle a condamné, elle a condamné les principes de la Révolution, les droits de l'homme et tous les principes révolutionnaires pendant tout le 19e siècle, le 20e siècle jusqu'à Vatican II, avec une partie des catholiques qui adhéraient pleinement à cette condamnation qu'on appelait les intransigeants, qui la plupart du temps étaient en même temps ultramontains, c'est-à-dire quand ils étaient français, ils étaient pour Rome, anti-gallicans, et les autres, ceux qui au contraire étaient prêts à faire quelques aménagements doctrinaux, semi-doctrinaux avec le monde nouveau, le monde moderne, parfois très modéré, hein, comme Montalembert par exemple, étaient dits catholiques libéraux. Le terme d'intégraux est arrivé à peu près à l'époque de la crise moderniste. Les catholiques intégraux étaient ceux qui voulaient une doctrine intégrale contre le modernisme. Donc c'était des intransigeants, si vous voulez, avec cette qualification particulière. C'est le terme que s'appliquaient à eux-mêmes les gens de la dite Sapinière, cette organisation romaine fondée par Monsieur Benigni, et qu'on appelait de manière polémique, les intégristes, le terme vient de là. Oui. Enfin, intégriste étant un terme pris pour qualifier des catholiques, on va dire intégraux aussi, intransigeants espagnols, politiques, et qui a été appliqué à cela, les intégristes. Intégraux, libéraux, intransigeants. Alors, vous évoquez, vous employez une expression qui m'a interpellé, comme on dit aujourd'hui, vous dites à propos du concile, jusqu'ici, tous les conciles étaient interprétants, ce qu'il y a de nouveau avec le concile Vatican II, c'est qu'il est interprétable. Table. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, oui, alors, en fait, pour faire le lien avec ce que vous me demandez, ce que représente Vatican II, finalement, c'est que ce catholicisme libéral a pris les rênes. Est devenu, jusque-là, le magistère était anti-libéral, jusqu'à Pie XII, alors que, bon. Et pour ce faire, il a fallu tourner un petit peu les choses, puisque les condamnations sont très fortes des principes modernes, non pas la machine à vapeur, hein, mais modernes, les ascenseurs, les modernes de la modernité idéologique, il fallait dire, ben voilà, on a changé, on n'a pas. Donc pour montrer qu'on n'avait pas changé, on a pris un autre principe libéral finalement, qui est celui de l'antidogme. S'il y a bien quelque chose que les libéraux ne peuvent supporter, c'est bien le dogme, la parole d'autorité dite par les hommes qui vous écoutent, m'écoutent, par le magistère, au nom de Jésus-Christ. Et donc, Vatican II s'est établi sur un mode mineur, qui est celui du pastoral ou du magistère authentique, qui dit sans dire, tout en disant.
De sorte qu'il y a du flou. Et on parle depuis lors de l'interprétation de Vatican II. Il faut interpréter Vatican II. La chose la plus célèbre, il y a eu Monsieur Lefebvre, il faut interpréter le Concile dans le sens de la tradition. Très bien, c'était tactique, hein, si on veut, quoique assassin. Et quant à Benoît XVI, son premier discours, son grand discours de 2005 à la Curie, portait sur quelle bonne interprétation doit être faite de Vatican II. Alors que un concile, par définition, c'est quelque chose qui interprète justement le donné révélé, le donné de la tradition, le donné de la révélation. Et on se réfère essentiellement au dernier concile comme interprétant. S'il faut interpréter ce qui interprète, alors on n'en sort plus, mais c'est le cas. Alors vous écrivez à propos de la réforme liturgique, l'expression m'a marqué, le culte nouveau est par essence non-règle. Est-ce que vous pouvez justifier et expliquer cette expression? Oui, mais ça relève de la même chose. Vous savez, la liturgie, c'est la lex orandi, la loi de la prière, qui s'accorde à la loi de la foi. Et il est normal que si la loi de la foi a été changé, enfin bon, tripoté, bricolé, on va dire, gentiment, est devenu une règle qui n'était pas vraiment une règle, automatiquement, si je puis dire, enfin parallèlement, je ne sais quoi, en miroir, la loi de la prière est devenue une règle qui n'était pas vraiment une règle. Et on le voit quand on parle de la règle de la prière, la lex orandi, ça n'est plus une lex. Pour toutes les cérémonies, vous avez des quantités d'options possibles, de choix. On peut dire la messe de 1000 feux. Enfin, pas je dis 1000, j'exagère peut-être, mais enfin, on peut certainement pas. Donc tout est interprétable jusqu'à vous dire, vous dites ceci, ou vous dites cela, ou vous dites encore autre chose. Les séminaristes nouveaux, qui sont parfois très critiques, disent à propos des rubriques nouvelles, on dira, on fera ceci, ou cela, ou n'importe quoi. C'est à peu près. Et c'est pour ça que je dis, ça n'est pas vraiment une règle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut réaliser ce choc avec la messe traditionnelle, qui elle, au contraire, comme toute liturgie traditionnelle de l'Église, est une espèce de, on va dire, de carcan, c'est vrai, mais aussi de sécurité pour le sacrement. Et puis pour le fidèle aussi. Et pour le fidèle, bien j'entends bien. Il ne se retrouve pas face à n'importe quoi. Bien sûr. Et si d'ailleurs, aujourd'hui, on a très peu parlé de ce texte, il y a eu une note du cardinal Fernandez, enfin une note du dicaster, pardon, pour la doctrine de la foi, sur les abus liturgiques. Ouais. Vous vous rendez compte, sous le pape François, on s'inquiète des abus liturgiques, parce qu'ils peuvent, et Fernandez donne quelques exemples, parce qu'ils peuvent entacher parfois la validité. Et il donne des exemples de formules baptismales qu'on lui a rapportées. « Je te baptise au nom du papa et de la maman », des choses de ce genre. Et des gens qui sont ordonnés prêtres et qui découvrent que leur ordination n'est pas valide parce qu'ils n'étaient même pas baptisés. Absolument. Ou en tout cas, la formule employée faisait que ce n'était pas valide. Oui, voilà. Voilà ce que peut donner... Bien sûr, on peut toujours trafiquer les sacrements, quels qu'ils soient, même les plus rigoureux. Il n'empêche qu'il y a la porte ouverte à tous les abus et d'abord à toutes les interprétations, là aussi. On interprète la liturgie. Le prêtre que vous voyez célébrer la messe le dimanche, si vous allez à la messe du est un interprète de la liturgie, parce qu'on a besoin de l'interpréter dans un sens ou dans un autre. Alors, en quoi l'expression bien connue « communion imparfaite » employée dans la constitution conciliaire Gaudium et Spes est à la fois nouvelle et troublante? Oui, elle est surtout dans le texte sur l'œcuménisme, à savoir les Unitatis Redintegratio. Elle est troublante dans la mesure, la communion, il s'agit de la communion de foi. On est, comme dit saint Thomas, on est ou on n'est pas en communion. On n'est pas à demi en communion. Et justement, c'est là tout Vatican II, si vous voulez, pour joindre les deux bouts de deux ficelles qui ne pouvaient pas se joindre, on a inventé pour s'ouvrir à l'œcuménisme, à faire que les protestants, soit des catholiques, sans l'être tout à fait, parler chez eux, chez les protestants d'abord, et chez les églises protestantes ensuite, ça c'est Jean-Paul II dans Ut Unum Sint, on a parlé de communion imparfaite. Qui est une aberration. Encore une fois, on est en communion de foi, on ne l'est pas. Le protestant va être en communion à combien ? 30%, on va dire. L'orthodoxe à 50%, 60%, 70%, je ne sais pas. Les anglicans, 80%. Bon, c'est absurde. C'est absurde. On l'est ou on ne l'est pas. C'est quoi pour le mariage ? On est marié ou on n'est pas marié ? Oui, et surtout l'état de grâce. Saint Thomas fait le lien avec l'état de grâce. On est en état de grâce ou on ne l'est pas. Alors après, évidemment, la grâce peut croître, la communion peut croître, mais d'abord, elle l'est ou elle n'est pas.
Alors, vous concluez par une note d'espérance. Quelle est-elle? C'est que l'Église a les promesses de la vie éternelle. Voilà, bon, ça c'est assez classique, mais vous dites des choses plus nouvelles. Oui, c'est quand même très important d'abord, et ce qui montre que tôt ou tard, les hommes de l'Église saisiront le problème à bras le corps et qu'il y aura un retour à ce qu'est le magistère comme tel, qu'il arrête d'être des missionnaires, puisque c'est ça qu'il s'agit. Mais on peut imaginer facilement qu'il y aura une période de transition. Et que, vu la situation de l'Église, les hommes d'Église acceptent, dans la situation dans laquelle on se trouve, que ce qui reste de force vive dans l'Église, et notamment les traditionnels, mais pas que, mais enfin, notamment les traditionnels, soient libérés, en quelque sorte, qu'ils aient la possibilité d'exprimer leur foi catholique, qu'on ait le droit dans l'Église catholique d'être catholique. Et ça, je crois que ça peut venir, en effet, à condition de tenir le cap. – Alors, vous l'évoquez, c'est comme ça que j'avais compris votre conclusion. Il y a aussi, on l'a vu aux réactions à Fiducia Supplicans, un certain nombre de conférences épiscopales, d'évêques, de cardinaux et tout, qui disent, même si ça vient de Rome, c'est pas possible. Alors qu'autrefois, c'était, ça vient de Rome, j'arrête de réfléchir. – C'est ça, oui. Ce qui prouve qu'il y a un gros problème, parce que pour une chose aussi importante qu'une bénédiction de couple, que Rome puisse dire n'importe quoi, tout ça est dans l'origine, à savoir une démission magistérielle. Alors, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage, moi, qui m'a vraiment beaucoup intéressé, qui est très documenté, très argumenté, donc de l'abbé Claude Barthes, aux éditions Via Romana, « Trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Merci, monsieur l'abbé. Merci. Bonjour Anne-Françoise de Saint-Albin. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de la Fondation pour l'école, qui organise donc le 6 avril prochain le Salon de la liberté scolaire, dit LIBSCO. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le programme? Alors, le Salon de la liberté scolaire, effectivement, le Salon LIBSCO, c'est un salon qui est organisé par la Fondation pour l'école depuis 2019. Alors, je vais dire un petit mot très rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas la Fondation. Donc, la Fondation pour l'école, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 2008 et dont la mission principale, c'est de soutenir la création et le développement des écoles libres hors contrat, mais aussi de faire rayonner la liberté scolaire à travers l'organisation d'événements tels que le Salon LIBSCO. Alors, ce salon, il est né avec le constat qu'il n'existait pas en France d'événements rassemblant les acteurs de l'éducation. Au-delà, j'ai envie de dire, des clivages publics, privés, scolaires, périscolaires. Et donc, nous avons créé cet événement sous la forme d'un salon grand public annuel. Alors, vous annoncez des rencontres, vous annoncez des ateliers, des conférences, des stands. Alors, que se passe-t-il? Alors, tout à fait. Alors, ce salon, c'est principalement, puisque c'est la mission première de la Fondation pour l'école, un rendez-vous incontournable pour les écoles libres hors contrat et pour tous les acteurs de ces écoles. Mais pas seulement, puisque le salon y poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre la rencontre justement entre les acteurs de l'éducation, et donc pas seulement des écoles hors contrat. Le deuxième objectif, c'est vraiment de valoriser et de faire découvrir et redécouvrir aux visiteurs des initiatives pédagogiques et éducatives, que ce soit des initiatives finalement éprouvées de longue date ou des initiatives plus récentes, des initiatives un peu innovantes. Et puis, ce salon, nous souhaitons que ce soit un lieu de ressourcement, en particulier pour les professionnels de l'éducation, qui n'ont, vous le savez, qui ont un quotidien très chargé, qui n'ont pas toujours le temps de réfléchir à leurs pratiques, de se former et de rencontrer leurs pairs. Alors, on a parlé de stands. Quelles sont les associations, les mouvements qui ont un stand et comment en avoir un? Alors, effectivement, ce salon, on reparlera peut-être de la programmation tout à l'heure plus en détail, mais il y a aussi des exposants. On a aujourd'hui une trentaine d'exposants qui ont réservé un stand pour la prochaine édition, donc le 6 avril. Parmi ces exposants, vous allez avoir des établissements scolaires, mais aussi des maisons d'édition de livres ou de manuels scolaires, des éditeurs de jeux et d'outils pédagogiques, éducatifs, des associations, des organismes de formation. Enfin bref, voilà, beaucoup d'exposants assez variés. Et il est encore possible de réserver un stand si cela vous intéresse de présenter votre activité ou votre
votre structure ou votre produit à nos visiteurs jusqu'au 20 mars. Alors, pour réserver un stand, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site de la Fondation pour l'école, l'onglet Salon Lipsco, sur lequel vous pourrez consulter voilà, les différentes formules. Hein. On a plusieurs formules accessibles financièrement à des associations ou des petites structures. Et puis, de télécharger et de compléter le dossier de réservation pour les exposants. Alors, quels ateliers sont prévus, puisque vous parlez d'ateliers? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la grande richesse de ce salon, ce sont les ateliers qui sont organisés, donc des petits ateliers d'une quarantaine de minutes qui sont à la fois des temps de formation, mais aussi d'échange. Alors, cette année, nous avons décidé de diviser le salon en plusieurs espaces. Donc, vous avez un espace qui est vraiment dédié aux professeurs du primaire, un espace pour les professeurs du secondaire, un troisième espace pour les dirigeants et créateurs d'écoles, et puis un espace, j'ai envie de dire, plutôt dédié à des ateliers de manipulation, et puis autour des langues, dans lequel vous pourrez découvrir des outils et des jeux pour apprendre avec efficacité. Et alors, pour donner un petit peu envie à ceux qui nous regardent de venir, pour donner des exemples d'ateliers, vous pourrez par exemple découvrir comment éveiller la curiosité de vos élèves, comment favoriser leur autonomie. Pour les dirigeants et créateurs d'école, on vous donnera des conseils pour diversifier les sources de financement de votre école, ou encore comment adopter une politique salariale attractive. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Et bien évidemment, dans chacun de ces espaces, il y aura des temps d'échange prévus pour que les professeurs puissent échanger entre eux, les directeurs entre eux, avec notamment des temps de rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi. Alors, vous annoncez également des conférences. Quelles sont-elles ? Oui, alors effectivement, à côté de ces espaces dont on vient de parler, il y a également une salle plénière avec trois temps forts pendant la journée. Le premier, c'est une table ronde au cours de laquelle viendront témoigner plusieurs fondateurs d'écoles, des écoles au projet pédagogique très fort avec un ancrage territorial marqué. Ça, c'est le premier temps fort. Le second, c'est un débat autour de comment proposer à nos enfants une éducation pleinement humaine à l'heure du tout numérique. Vous savez que c'est un sujet de préoccupation pour bon nombre d'entre nous. Et puis le troisième temps fort, c'est la remise du prix Étincelle. Alors un petit mot rapide sur le prix Étincelle. C'est un prix organisé pour la première fois par la Fondation pour l'école cette année. Et c'est un prix qui a pour objectif de valoriser et de récompenser aussi le travail fabuleux qui est fait dans les écoles libres hors contrat. Cette année, nous avons retenu le thème de l'oral et de la place de l'art oratoire à l'école. Et donc vous pourrez au salon venir découvrir les travaux réalisés par les 37 écoles qui ont participé au prix cette année. Et puis bien sûr découvrir les lauréats du prix. Alors concrètement, pour le tout venant, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Donc où est-ce que ça se passe? Quels sont les horaires? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Combien ça coûte? Alors, je vais tout vous dire. Alors déjà, ça s'adresse évidemment à tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin à l'éducation. Donc, vous voyez que ça va chercher quand même assez largement. Qu'ils en vivent ou non, d'ailleurs. Donc, ça peut être des parents d'élèves, ça s'adresse aux parents d'élèves, aux professeurs du primaire, du secondaire, aux dirigeants, créateurs, administrateurs d'école, mais aussi à des professionnels de l'éducation type orthophoniste, psychologue, etc. Et puis, toutes les personnes qui ont envie de faire progresser le système éducatif. Alors, très concrètement, donc, la date, hein, vous l'avez donnée, je la redonne, c'est le samedi 6 avril 2024, samedi 6 avril prochain. C'est à l'espace Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris, porte de Charenton. Pour les inscriptions, c'est très simple, il suffit de s'inscrire sur le site, donc toujours depuis le site fondationpourlécole.org, onglet Salon Lipsco. Le prix est de 5 euros. 5 euros, voilà, que vous ne regretterez pas, puisque pour le prix d'un cappuccino à Paris, vous pourrez repartir de cette journée, voilà, ressourcée, remotivée et capable de vous engager ou réengager au quotidien en faveur de l'éducation. Éducation qui est une cause nationale importante et une cause qui est chère, je pense, à ceux qui regardent TV Liberté. Merci beaucoup. Donc, nous espérons que beaucoup parmi nos téléspectateurs pourront vous rejoindre et découvrir ce salon. Cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thiolois qui l'animera. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.